La deuxième invitation. Merci. La fidélité de la forum. Il y a un grand forum mercredi 23 novembre 2022. C'est parti pour cette troisième livraison en direct sur Perfect Télévision à travers le monde. Sur YouTube, vous avez Bélé, Yako, Landa Bisson, Afrique du Sud, précisément. Merci. La bande de Konyoso, Bazana Djobo, Bazako, Landa Bisson, na Instant Oyo. Quelques informations pour Namokolo Lalelo. Toujours continuer qu'on comptait Mikolo, ça fait 164e jour, il y a occupation. Il y a Bounagana, localité congolaise, où il y a sous-occupation. Il y a mouvement terroriste M23. Et il faut qu'on ajoute Kiwanja, qu'on ajoute Rutshuru, centre. Information sur le terrain, tout ça, on a tombé dans les mots, calme précaire, jusque-là, la ligne de front, FRDC M23, Mwakimia et Kotimouke, et coïncidé d'ailleurs, dans mon collègue les mots, Oyo, processus, il y a Luanda, ils ont encore relancé, chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, Paul Kagame, il y a Rwanda, Uhuru Kenyatta, le facilitateur, il y a communauté des États de l'Est, mais aussi Evariste Ndayishimiye, il y a Burundi, Bangonyoso autour, il y a Joao Lorenzo, Bakoukoutana, Luanda, capitale, il y a Angola. Pour la côté là, comment est-ce que Bakouki a trouvé solution pour la plan de paix na Est et la République démocratique du Congo? On en parlera. Na invité Nabisso. Information sous COVID-19, ministre de la Santé à Lobi Boye, sixième vague, ils a déjà en cours, mais seulement, ministre de la Santé a précisé que vague on a topé sixième vague on a COVID-19, ils en a faible intensité, c'est-à-dire ils a penza ma capacité, mais à niveau, il y a Bango, Sengiaske, la task force où ils a présidé par Mokonzi Mboka, Bazoa, ba décision, ou Sengeli pour la protection, il y a tout, mais aussi à Sengi à ce que la population a intégré encore une fois le geste barrière. Donc, Boye Biango, Negezalaki, Koukoula Maboko, régulièrement, na savon, et puis en même temps, Kachne Nayo, distanciation, Ezala, parce que c'est comme si COVID-19, Azako Zonga, et ils a confirmé la ministre de la Santé, où elle dit que sixième vague, ayez, mais de faible intensité, communication signée Jean-Jacques Mungani. UDPS, topé justice, Victor Wakwenda, Boyebi, Babenga qui n'est pas procureur, entendre yé, à quelle prison, Yamakala sous mandat d'arrêt provisoire, et finalement, Abimi, Aza, en liberté provisoire. Alors, avocat Naya Lobi, Bakanga qui est pour la vidéo Moko, Yamon de celle qui va interpeller yé, Nakata vidéo, on a yé, Victor Wakwenda, Oazali, coordonnateur, y a commission, y a discipline, y a UDPS, à l'obaki, le pays est mal géré. Alors, Naba Grief, Moussous, Balobi, propagation de faux bruits, Aza, Mouto, Yazako, le Baloba, Biloko, Oyozako, désorienté, Batou, voilà ma raison, Oyo, Babingela qui est en justice, mais après, relâché, Aza, en liberté provisoire. Alors, source, Moussous, je précisais, Balobi, Tiki, vu âge, âge naïe, assez à commis Moukolo Makasi, et puis, deuxièmement, santé, Penza, Ezala qui mala Mouté, Banda, Koutungi, ça y est. Yango et Salike, Meka, Kobimisaye, Akenekofanda Libanda, mais ce qui est bongo et que ça moins passé parce que ça peine à battre Moussousou, au bas la prison centrale, Yamakala, peut-être que HT, mais peut-être santé na bango, bulletin médical, et ça qu'on prouvé Yango, qu'effectivement santé est malamouté, mais on ne sait pas qui gère leur dossier, donc, bah, ça toujours, Kuna et Zozala,
quelque peu injuste, c'est-à-dire que Tinda Batou, Bakanissa, Malamouté notamment, Jimmy Kitenge, ses communicateurs, mais aussi responsables, cadre de la PPRD, Oyazakuna, malgré ma preuve, il y a problème de santé, mais Moutako, Kamawazate, Moutoupe, Arupé, c'est la liberté provisoire, Azate, alors, et Zobima Penza, bien, bien, tel, le coup, à deux poids, deux mesures. Je crois que justice, c'est signé, laissé à la Moussa Nayango, comme il se doit. Scandale, l'enseignement primaire, secondaire, et technique, Baouti Kokanga, un enseignant, Kombonaye Kalemba. Kalemba, aza enseignant, soixantaine d'années, parce que ça commence au colo, même les Nengueza Kombonayango, bah, surprendre yé dans un hôtel. Alors, aza nanan na kati hôtel wana, moana classe, yé wana en image, moana classe na yé environ 14, 15, 16 ans. Quatrième des humanités, la école Béret, vous voyez l'école Béret, la fondation Orangi Wosho Hotel, na limité 17e rue. Yewana Zolata, Sapatou, Wanezali, Carnet, c'est qu'un rendez-vous, Pesamaki, station Shell, le 19 novembre 2022, 12h, hôtel. Voilà, en quelques lignes, mengue rendez-vous, et Pesami, alors, professeur, topé enseignant, Moulakisi, Kalimba, Yewana, Mwana, et c'est qu'elle est la mineure, Seigneur Tobate la bana, moyen à quoi exposer, image naïe, exalité, quatrième des humanités, et dans un hôtel, la 17e rue, limité, école, béret. Alors, bah, information, tout ça, c'est comme si ma zone là-bas étouffée, information, on a, bah, si l'issant, on a entre bango, babou, ma moto, pour l'enseignant, on a, non, mi bekozo, pexabiso, biloko, on a, c'est également insécuriser nos enfants, et c'est un délico, dénoncer, en gros, pour que ma béwana, et zonga, l'issoussouté, donc, nous en appelons justement la ministre y a EPST, Tony Mwaba, professeur également, Yepaza, enseignant, d'enquêter suffisamment et l'ongona justice par rapport à la Likambo Oyo. S'il faut qu'on frappe, il faut vraiment rigueur, il y a loi et salima, parce que Romona Mwana Bongo, 82%, 94%, l'examen d'État, 100%, mais parce que professeur a eu bien sa performance, il y a Mwana et Outinon, ça on ne peut pas accepter, Eza, Makambo et Singeli, Ezala, condamné. Voilà, dernière information, tu n'as copé ça, Mokona Lilo, Tuyambeli Bino, grâce Chunza. Grâce Chunza, Aza juriste, avocat, mais aussi Aza coordonnateur, il y a dynamique impunité zéro, Neko, grâce Chunza. Ben, ça fait très longtemps, ça dit ailleurs, mais Awa, je crois que c'est le premier passage, na yo, la grand forum Mbote. Mbote, Aya. Boni. Moi, malam, on m'a bé. Nizou m'a bé. Malam, parce que nous l'ensemble, les amis, pour la bisso, parce que na est et en bo, quand la bisso, nous apportons la montée, malgré la marque, c'est le courage de sur la montée en boca, la rébelle, basa déterminé, il y a pour terroriser la population de l'Est et en boca. Bonne dynamique, impunité zéro. C'est vrai qu'à un certain moment, j'ai dit année passée, c'était pratiquement novembre, Sikao Yo, Osaki, sorti médiatique, exactement ma plainte déposée contre Augustin Kabouya, et puis après, on ne s'est plus vu. Alors, bonne et structure. Oui, dynamique, impunité zéro, ça m'a là, en bonne santé, tout ça pour ça, nous sommes à la Bissau, tout ça pour l'année là, Oignon, sur Ezako Bumbi, ça qui m'a en bon Bissau. Les gens qui ont été en Bissau, tous les gens qui ont la paix pour Congolais, tous les gens qui ont été en Bissau, ont été en Bissau, ont courage en Bissau pour être. L'obimboka, les gens qui ont été en Bissau, ont été en Bissau, ont été en Bissau. Voilà, on aura le temps à colloquer l'impunité, colloquer l'aspect, domaine naïo, il y a justice, mais commençons d'abord par situation sécuritaire. Et il y a Mboka, il y a d'abord, il y a processus de paix, Otozanengo, la discussion ça va continuer, processus de Nairobi, Luanda, Lelo, Félix Tshisekedi, délégation ici anticipa qui est déjà, Kita Kikuna, parce que selon entourage à président Balobi, que conditions de sont Ezalaki réunies, il y a vrai vraisemblablement eu des garanties. Il y a un salut que délégation à président, Massiba Kenda qui l'a dit mardi, Yemoko confirmé à Rokendelelo. Est-ce qu'on peut croire finalement la processus où on a toutes ces messes, tous ces rendez-vous, Salema, Kenya, Angola? Grand frère, grâce Chunza par devers vous ici, je vous rappelle que l'année passée, nous avons publié
un ouvrage intitulé « La nébuleuse Virunga ». Au terme de cet ouvrage, dans nos plus de Nébuleuse Virunga. Je n'ai pas ma copie. Hein, non, mais nous avions publié tout un rapport. Ah, okay, okay, nous avions diligenté les enquêtes à l'est de la République démocratique du Congo. Mm-hmm. Il y a des personnalités européennes que nous avions mis en cause. Okay. Entre autres, Emmanuel Temerot. Ouais. Nous mais avions mis en directeur provincial. Directeur provincial de l'UICSN. Ouais. Vous pouvez voir ça dans plusieurs médias et donc en ligne, tout comme visuel. Nous avions mis en cause l'Union européenne et quelques multinationales européennes qui accompagnent le M23, qui accompagnent les rebelles, les ADF. L'ouvrage se trouve à la présidence de la République. J'ai été reçu, je devais être reçu par le président de la République lui-même, mais lui, ça coïncidait que le président Kenya Uhuru Kenyatta sortant venait à Kinshasa et que le président Félix Tshisekedi était coincé d'aller prendre son homologue. Et il m'avait confié entre les mains de ses collaborateurs de la présidence. Je remis cet ouvrage, le fruit de nos efforts, au sein de la dynamique impunité zéro. Mais là, je vois les gars la paix. Tu veux pas qu'il propose Nambo Cannabis. L'ouvrage se trouve également, ils ont sous la Cour constitutionnelle, la parquet général après la Cour constitutionnelle. Jean-Paul Moukolo Konkecha a également cet ouvrage. Nous avions partagé l'ouvrage à travers plusieurs personnalités du pays. Et nous avions dit, nous sommes prêts de donner de repères. Peu d'états après, il fallait que l'on m'associe avec ces scènes. Ce sont, selon les promesses que je reçois à la présidence, tu dois travailler avec ces scènes, conseils de sécurité du pays, pour donner les informations, les détails des informations que vous avez. Jusque-là, je n'ai reçu aucun appel. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne travaille pas pour être recommandé, pour être payé en termes de ce que je fais comme travail. Donc, notre rapport Nayo, indexé, suspecté, on a suspecté Emmanuel de on a suspecté plusieurs. Ouais. En fait, on parle d'une nébuleuse. Dans la situation qui trouble la paix à l'Est, vous avez les Européens, vous avez les Américains, vous avez le Rwanda, le Burundi, les Ougandais et d'autres pays d'Afrique. Et de multinationales qui ne vivent qu'autour de cette insécurité à l'Est. C'est un complot international contre la République démocratique du Congo. Nous avions dit, la seule voie que nous avions trouvée, que la République démocratique du Congo peut employer ou prêter pour imposer la paix dans Mbokanaye et Zakaka, la force. Donc la force, utiliser nos éléments de la FARDC, le capacité en termes de matériel, l'accompagner, et là, ce serait la voie par excellence pour imposer la paix et désinfiltrer l'armée. Donc, processus de paix... C'est une distraction de plus. C'est une distraction de plus parce que là, maintenant, tous les ennemis du pays, de la République démocratique du Congo, Monique, la voie que l'excellence chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a joué actuellement, c'est une voie de cessation contre ces entreprises, de cessation de ces entreprises criminelles. Alors, dans la minute Oyo, distraction de Bakukotia pour neutraliser la détermination qu'a maintenant la République démocratique du Congo et ça pour distraire Bango dans le dialogue et le processus de paix. Kagame maintenant, rien que. Parce qu'en fait, présent, je peux vous affirmer ici que présence à Bavion selon les informations outina russe, ça fait agiter toute la communauté internationale. Et maintenant, c'est là que la communauté internationale, les conseils de sécurité cherchent maintenant comment distraire le chef de l'État congolais. Comment distraire le peuple congolais? Comment distraire l'armée congolaise? Donc, congolaise, il faut entrer par la Nairobi, entrer par l'Angola et maintenant essayer d'imposer les processus de paix. Finalement, pour maintenir Kagame dans son rail dominateur, Yambo Kanabiso.
Alors, il faut réviser ça. Mais alors, le président, je suis en train de simuler à Zan Aéroport, par exemple, à Linga, Yoka Conseil Nayo, à Matanavia, qui n'est toi qui n'était. Tenga na oye bisa, moi n'en boka, Félix Tshisekedi, à qui n'était, à Matanavia, parce que je vous dis ici que la politique internationale, nous sommes devant une hypothèse de la politique internationale. La politique internationale est basée sur les intérêts des États. Étant donné que Rwanda, Eza, Canal, Oyo, ISA, ba multinationale américaine, Eza, qui a gagné des bénéfices et belé, ba multinationale européenne, Eza, qui a gagné des bénéfices et belé, Rwanda va collinger que Rwanda a perdu de position là parce qu'il va entraîner la personne à Bango. Nous avions démontré ça dans notre rapport. Maintenant, la seule voie, c'est l'auto-prise en charge, la détermination, le courage. Moi, j'ai dit que la voie que le président de la République, Félix Tshisekedi, a prise, c'est une voie de la libération du Congo, de la libération de l'Est du Congo. C'est la voie de travailler avec la FARDC. Avec le moyen de bord que nous avons, avec le peuple. Vous savez quoi? Une autre peur, c'est que, au moins, Rwanda peut comme à Kinshasa, et au Salem sous 10 ans. Mais pour la RDC, et comme Rwanda, Kigali, ça ne demandera pas 30 minutes. C'est encore une autre paix. Grâce à Tunza, c'est vrai, le chef de l'État a compté sur forces armées, Babunda. Mais certains, moins sceptiques pour dire bon, qu'est-ce qui fait que pendant près de 164 jours, l'armée congolaise a récupéré Bounaganate et M23P a s'est retiré na Kouana. Alors, problème à quel niveau, faiblesse à quel niveau? Oui, mais M23. Baza souteni na ba niveau moro boye occulte oyo eza dévoilété baza na ba minduki oyo eso senga que le secrétaire général d'abord aloba ki yango ya Nations Unies. Alors soutien wana nangonga o Rwanda M23 to lo ba Rwanda eza ko occuper Bounagana bazo yebisa mino Bounagana eza occupé. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Exploitation ya cuivre na coltan, hein, na kolbat bazako exploiter yango na parti wana ya mboka na biso. Et on vous dit que Bounagana est occupé. La FARDC il venait de récupérer Rutshuru. Il venait de récupérer plusieurs territoires qui étaient également occupés. Moi je pense que le M23 bazupe ngongamwa mulai oyo bango ba occupé Bounagana. Par force tokoboto la Bounagana. Mais ce qui toque dans la négociation, ko maîtriser ba plan B oyo ba toana ba kobongisa la bisauté. Il faut le surprendre par force. C'est quoi ce plan B? Ah, mais plan B, ils vont se dire avec ce processus, attendez-vous que le M23 se retire sans le forcer. Et lorsqu'ils vont se retirer, mais vraiment le président finalement Kagame va contribuer à ce que exact. Kagame a dit il est d'accord, il a dit à Ukraine, Kenyatta, qu'il est d'accord pour le processus de paix, il est d'accord pour le cesser le feu. Ce qui veut dire que c'est la pression que la FARDC a exercée contre Rwanda, contre lui. Maintenant il se voit dans la position de négocier, mais en fait il négocie tout en étant malin. Mais en fait je souligne ici que Paul Kagame n'est pas un interlocuteur crédible pour la République démocratique du Congo. Alors, parce qu'il n'est pas un interlocuteur crédible, il faut s'imposer. Et la Soki va occuper Bounagana pendant 100 ans. Moi, je vous fais une promesse ici que Mboka Oyo, dans ses frontières de 1960, Oyo Baloumou va couper la yango et Kokendaka ta 1 cm dans le Kokendaka te pour les étrangers. Le complot qui vise à diviser ces pays, c'est un échec de plus parce que c'est macaté. Mais cela ne peut tenir que ce qui, moi, n'ambo qu'à Félix Tshisekedi à comprendre que la voie de la détermination, la voie patriotique, en fait, à travers la FARDC, n'est pas qu'à maintenir Kimia na Est, à imposer Kimia na Est et Ambo Cannabis. Vous savez, ce qui te rassure, avec la FARDC, tu as imposé force Nabiso,
tous ces pays-là vont nous respecter. Ils vont nous craindre. Mais alors, la procédure de paix, le but objectif, c'est-à-dire qu'on relance la discussion entre RDC et Rwanda, parvenir à une désescalade. Est-ce que vous pensez que le processus soit là et qu'on a la discussion, c'est-à-dire qu'on peut atteindre l'objectif? Non, mais on peut atteindre l'objectif. Pourquoi? Parce que ce qui est Rwanda, ça, le Rwanda ne s'incline pas de sa volonté. Et c'est qu'à ça, on a parrain, si on a voix, nous risquons de tout perdre. Vous comprenez un peu? Bah, parrain, c'est que la voix, nous risquons de tout perdre. Il faut au Kende faire les yeux doux et finalement relancer les griffes. Alors, tout Kende n'a pas voix en atteinte. En fait, le Rwanda n'est pas un interlocuteur crédible, j'insiste, pour Nambo Kanabiso. Oui, mais au moment de il faut imposer force. Et c'est cette force-là, nous avons insisté, nous avons zongé la yango. Nous avons imposé respect vis-à-vis de Nambo Kamike, Miki, Rwanda, Burundi, Uganda. Mais ceux qui te l'ont dit, quand on est, c'est moi, Mouke, ceux qui veulent libérer Téléma, Bouke, vous négociez. Et tant que vous négociez, vous avez dit que vous négociez, vous avez une faiblesse parce que vous n'avez pas occupé. Vous comprenez un peu? Donc qu'on négocie la position de faiblesse parce que Bounaga n'a pas occupé. Entre temps, Rwanda a avant négocié, États-Unis, vous voyez, il faut mettre les enchères. La négociation a abouti dans le brassage, dans le mixage, à FARDC, où finalement, il y a M23, et finalement, ça s'est créé encore une fois de plus une société basée sur l'injustice. Alors, tout le monde a babilo ko wanate, tout le monde est déjà volontiers, jeune volontaire, ou continue à faire des essais pour défendre Mboka. Déjà en termes de ressources humaines, Rwanda de côté le Melabi sauté. Donc nous sommes, même moi, je suis prêt d'aller en fait dans l'armée pour défendre le territoire. Vous comprenez un peu ça? Donc, c'est-à-dire que les Congolais aujourd'hui, la seule option qu'ils ont vis-à-vis de ses ennemis, c'est que si je comprends bien, dynamique impunité zéro, grâce Chunza, vous n'avez pas une autre option dans le cadre de la paix de paix pour la SRDC Mindukilak. Non, il faut que Kanabitumba, parce que Toluki Bakina, il y a eu combien de dialogues ici dans Mboka pour la Maramba Est? Il y a combien de dialogues? Dans le dialogue, on a beaucoup eu qu'un peu de temps après, on a comme tout au cours d'une année électorale. Finalement, moi, qui m'y coûte, bah, pour qu'il y ait une élection, bah, voter les choses, ceux qui m'ont envoyé à Félix, c'est que du mot à Kobima. Soit tu me sois Kobima, Nassou Kanango, décembre, a prêté serment, février, mars, rebelle bandit les sous. Tout bon y a bas bilo qu'on a finalement, c'est que on va créer encore un pays où à chaque fois qu'il y aura un dirigeant qui entre, que ce dirigeant-là ne travaille pas pour le pays, pour le développement, soit seulement focalisé sur la situation de l'Est. C'est la direction au bas de Mambo Kanabiso. Que mon cousin Sakoya a coûté problème à Est, à l'impossibilité à présider pour le développement à Mboka. Alors finalement, ce qui te limite, tu mettre fin à la situation, on a un signe à moi à Mboka. Je suis allé à Karangaï, Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo, et ils ont encouragé Kaka FARDC. Akoko fate po bakoko nyoso amboka o bazana simana ye milimo nyoso akongoza na simana nzambe na yepe o asala lola pc azana simana nzambe apesa biso kongoza na simana Félix Tshisekedi akoko fate ezala na poison ezala na assassinat coup d'état maote ko réussir mais vo par excellence ko pesa kimia na mboka o ezala ka voix o ye andimi kozwa ya ko sunga FARDC ya ko luka ko tindika FARDC na ba réforme maote ko sala récemment tout le monde na résultat là yango et autres tient terrain la cas divers il y a adversaire. Alors tant continuer d'avoir ana parce que même il y a un adage qui dit qui aime la quand la paix prépare la guerre biso toloba ki boye mboka o tolobi boye mboka oyo toke na ba dialogue belé na Rwanda ce que de tangi ba dialogue est au sein na Rwanda jusque là et le kebelé qui m'a écotaté
Alors, ce qui m'a béni sous ce dialogue, c'est parce que bah, mon volonté, on y a plein de détermination au phare de César dans mon ami Kola Lelo. Alors, je suis en Kaka, mon konza moka a continué à voir. Wana. Ce qui m'a kobo ma biso, c'est tout ma congolais, comme ça, je suis à Congo. Mais ce qui m'a koko kate, te corrige, ce qui m'a te réussi. Et que ça la kine, mais la libéra, la libéra, la mboka, mon kota komeka, l'issue que ça va aventure pour Namboka Oyo. C'est les d'autres dirigeants qui vont venir après. Vont diriger dans la voie de quoi des paix, vont travailler sur le perspective de développement et de progrès social tel que nous le souhaitons. Merci. Toujours quand on a un deuxième sujet sur l'affaire Matata. Mais comment est-ce que vous interprétez ce qui s'est passé dans la Congo centrale avec cette vidéo qui circule, le gouverneur évidemment gestuelle naïe, dérangé, momoké, inquiété, Batumoussou, surtout le proche, et un président, et puis après c'est président Mboté. Vous savez, ils ont imprudence à niveau de la sécurité à Mokonzamboka, Félix Tshisekedi. Ils ont imprudence parce que l'on ne peut pas accepter de tels gestes devant Mokonzamboka parce que les qui acte à Bongo, ceux qui n'attendent à Kabila, soit le gouverneur Wana Azaïkanelo, soit arrestation immédiate, ou soit éliminé autrement. Donc, parce que Tshisekedi est un peu trop pacifique, gloire à Dieu, parce que vous avez un président très pacifique, c'est vraiment un danger. Pour faut toyer Baba Bingana, nous gouvernons. Peu professionnel. Non, bah, en fait, déjà dans le lobby, on a condamné dans nos sécurités, faiblesse où ils ont au niveau de la sécurité à Mokonzamboka. Parce que Babilo Kwa Bongo, il y a eu la. Koko sale maté, ma tête, ma geste, on a pu, ma tiki pe Mokonzamboka kiti papé si emboté. Aussitôt que geste soit à qui remarqué, il fallait qu'on empêche gouverneur à pousser dans Mokonzamboka. Et ceux qui sont là qui, non, non, mais ma vidéo est mon anine de l'île. Ceux qui sont là qui, la sécurité, la sécurité à Mokonzamboka, c'est là qui, professionnel, na minute wana il fallait qu'on crée un sida pour empêcher gouverneur à pousser dans Mokonzamboka. Alors comme vidéo mon ami toujours singa na conseil de sécurité il y a CNS et Kobenga Kobenga gouverneur ya Congo central et benga pe sango wana pour na balle qui sa bango na auditoire na audition soit na ANR pour na été. Qu'est-ce qui a été comploté? Qu'est-ce qui a été donné à ces instants alors que le chef de l'État n'avait pas d'autre réflexe une fois qu'il descend de sa voiture? Cible les acquis gouvernés après sa beauté. Et donc, ils ont suspect ma casse. Et je souligne que aujourd'hui, si l'on réussit à abattre à tout par tout moyen, moi, je suis Félix Tshisekedi, je suis reculé. Ma casse collègue. Alors, tout ça, il y a besoin, il y a rétro-pédalage, ou en athée. Obisoto au Sénégal, le tout Congolais doit veiller sur la paix et la sécurité du chef de l'État. Il faut tout veiller na Kimia Naye, tout veiller na sécurité Naye, parce que c'est lui maintenant qui est Moïse que l'on a mis devant pour libérer la situation du Congo, sauver la situation du Congo depuis très longtemps à l'est de notre pays. Il a plus des ennemis. Et Banguna, on a Banguna, on va mettre ça qui peut vivre derrière acte haute au monde dans l'est. Alors, tu as souhaité en côté, Mabilo Kouana et Salem Alissou Soubongo, Babenga gouverneur Ouana, ce qui est s'avéré que. À Sala Kiyango, n'a pas intention de nuire le chef de l'État. Je suis Sala Moussala na Yango. Merci. Parce que mon côté, Azali Koulou Amibé Kouyamboka. Voilà, affaire Matata Ponyo, Grace Chunza a publié Tribune Moko, la Cour constitutionnelle congolaise de l'inconscience à la prise de conscience. Alors, c'est quoi l'inconscience à la Cour constitutionnelle? C'est quand même un gros mot. Hein? Pourquoi Koloba, inconscience à la haute Cour congolaise? Merci beaucoup. L'inconscience, pourquoi? Parce que, vous savez, Grace Chunza est le pionnier de la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Et dans le principe, donc, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Nemo qu'un saint ignorare légué. Et puis on dit, nul n'est au-dessus
de la loi, l'article 60 de la Constitution. Et donc, Matata Mponyon, c'est un présumé délinquant, par conséquent, il devait alors délinquer. Nous avions vu sous la présidence du professeur Dieudonné Kaluba à la Cour constitutionnelle, s'est déclarée incompétente de la Cour constitutionnelle de pouvoir censurer les infractions commises par un ancien Premier ministre. Nous avions dit que c'était une analyse en fait ou une décision basée sur des hérésies. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle, lui, dans la première hypothèse de l'article 165 de la Constitution, il juge les infractions commises à l'exercice des fonctions. Et la seconde hypothèse, ou à l'occasion, dans cette hypothèse, donc la seconde alinéa de cette disposition, on voit les circonstances qui, ayant occasionné la commission des infractions, et on sanctionne l'auteur. Étant donné que la Cour constitutionnelle était le seul maître à bord pour combattre l'impunité de l'ancien Premier ministre Matata Mponyon, qui finalement est le présumé auteur des détournements de plusieurs fonds de l'État, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Nous avions dès lors tout schématisé, pour faciliter la compréhension. D'abord, je crois que c'est en novembre, Cour constitutionnelle, sous Dieudonné Kaluba, elle a dit non, dossier Moukangalo, nous avons Matata Mponyon, moyen, yé, ambima, koyambayango, tout peu que ça, Matata Mponyon, ancien Premier ministre, exacté, parce que, exacté, il y a un peu de salamé qui est tant ou à Zala qui est Premier ministre, si quoi Zala sous Premier ministre était. Alors, yon, on le dit, au bouté Zouana, sous Dieudonné Kaluba, Arewana, Kour Abnissaki, Akoubakazé, incompétent. Oboyango, pourquoi? Oboyango, pourquoi? Parce qu'on avait bien analysé. En fait, je vous rappelle que je suis également assistant dans des universités de droit. Mm-hmm. En tant que scientifique, on a la liberté d'émettre nos opinions et d'analyser au-delà de tout ce qui précède. J'ai dit ceci. Lorsque nous lisons l'article 165 de la Constitution, on dit la Cour constitutionnelle est juge pénal des infractions commises par le président de la République ou le Premier ministre à l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le droit loge dans les nuances. La nuance ici, dans la première hypothèse, on voit l'exercice de la fonction, c'est-à-dire le Premier ministre en fonction qui commet les infractions, on le juge conformément à l'exercice de ses fonctions. Et dans la seconde hypothèse, le premier ministre ou un ancien premier ministre qui commet des infractions à l'occasion, qui trouve l'occasion pour commettre des crimes, c'est que sa fonction de premier ministre, on va utiliser les circonstances ayant occasionné en fait la commission du crime. Et là, la Cour constitutionnelle n'avait pas, j'ai dit à mon ancien professeur de l'édicite Dieudonné Kaluba sur toujours des tribunes, et que j'ai partagé avec les animateurs de la Cour constitutionnelle, bien entendu, j'ai dit que la Cour constitutionnelle n'avait pas raison de se déclarer incompétente sur cette question. Voici, et mes analyses ont été diffusées à ce temps parce que j'ai même traité mon ancien professeur du droit pénal, Nyabirou Monesson, d'un retraité scientifique, d'un auteur de la masturbation, parce qu'il n'avait pas raison de consacrer l'impunité dans cette logique. En tant que scientifique, au qualifié d'hérésie juridique, Maloba, il y a professeur pénaliste Nyabirou Monesson, au qualifié de retraité, justement, scientifique. Mais thèse naïe aux autres fondées en gros sur quoi? En résumé, qu'est-ce qu'on retient? En résumé, parce que c'était la première hypothèse, ça c'est la deuxième. L'hypothèse incompétente, j'avais dit ça à l'époque, j'avais publié également tout un article autour de la ça. Cour a pêché. La Cour avait pêché dans le sens que la Cour ne pouvait pas se déclarer incompétente. Voilà. Alors que c'est lui, le juge pénal du président de la République et du Premier ministre, ancien ou nouveau. Lorsque l'on voit l'occasion, un Premier ministre ou un ancien président de la République qui ayant trouvé l'occasion, ses fonctions,
pour commettre des crimes, donc la Cour constitutionnelle le juge en, dans, conformément à son ancien à son ancienne qualité en fait de l'ancien président ou de l'ancien premier ministre. Et donc la Cour constitutionnelle n'avait pas raison de se déclarer incompétente. Merci. Et dans la seconde hypothèse, de l'inconscience à la prise de conscience, la Cour constitutionnelle finalement se rappelle que non, il y a un jeune scientifique qui avait finalement raison et actuellement sous la présidence de Kamouleta, la Cour constitutionnelle se déclare compétente. Donc elle est malade. C'est là, tout est malade. Cour a se déclaré incompétente, souvenez de Kalouba, on change les choses, Kamouleta a commis président, il y a cour constitutionnelle, Bazoua Boussiana Matata Pogno, cour de cassation a récupéré un mot, cour de Kéi, ça bloque, cour de cassation, il n'y a pas exception, il y a inconstitutionnalité, il y a à Zungi Sibisoussou, dossier, la cour va interpréter justement la situation là. Et finalement, la cour a yé qu'on revenu sur sa position pour dire que ben, je suis compétent. Pour la corriger. Comment nous expliquer dans cette vie revirement lorsque la Cour constitutionnelle se déclare incompétente, c'est elle la juridique dans en droit de l'organisation compétente judiciaire. C'est la Cour constitutionnelle qui est la juridiction par excellence de toutes les juridictions judiciaires. C'est le sommet. C'est le sommet. Donc c'est comme un père qui se déclare incapable de traiter une question de son fils et la petite sœur en fait du grand-père se décide en fait la petite sœur du père dit moi je suis compétente pour faire ça ne peut pas se faire. Donc le père clôt le débat est clos. Et donc seul le père qui doit encore dire non, j'avais peut-être clos ce débat-là avec quelques lacunes, quelques erreurs, il fallait relancer les débats. C'est ce que finalement la Cour constitutionnelle. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces revirements? En fait, c'est que la Cour constitutionnelle, finalement, que laisser intellect se consacrer l'impunité en République démocratique du Congo, alors que nous sommes dans un état de droit où l'impunité n'a pas sa raison d'être. La Cour constitutionnelle se déclare cette fois-ci compétente pour censurer le crime commis par un ancien premier ministre, Augustin Matata Mponyo Mampone. Et c'est que lui-même, c'est que j'ai évoqué dans cette tribune, dit que en droit administratif, il y a un principe parce que nombreux disent non, la Cour ne pouvait pas, parce que les arrêts de la Cour connaissant les principes immuables. Et donc la Cour ne pouvait pas revenir sur ces arrêts. J'ai dit ceci. La compétence est d'attribution. Et parce étant donné que la compétence est d'attribution, on dit, le rebus sic stantibus. La Cour constitutionnelle, il y a tout un principe du droit administratif, on dit le principe de l'acte, la théorie de l'acte contraire. C'est que toutes les décisions judiciaires, avant tout, sont des décisions administratives, bien que ont des caractères judiciaires. Mais ce sont des décisions qui sont entreprises par une autorité administrative. Comprenez un peu cela. Et donc, la Cour constitutionnelle qui, finalement, quand on prend cette démarche, dit non, il y a tout un principe sacro-saint du droit administratif, la théorie qui consacre la théorie de l'acte contraire. L'acte contraire, lui, qu'on a, mon conjoint, Vous comprenez, lui-même qui s'était déclaré incompétente, sur la forme, il faut encore souligner que jusque-là, le dossier Matata, l'examen se limite encore au niveau de la forme. On n'a pas encore examiné l'affaire sur le fond. Et la Cour constitutionnelle s'est dit non, je comprends que parce que seulement moi et après moi, il n'y a pas d'autre. Et donc, qui peut revenir sur cette décision, je dois déclarer cette fois-ci ma compétence en corrigeant les erreurs du droit. Donc, on retient que, quoi qu'il y a le principe et le but que les arrêts et la Cour sont immuables, mais la Cour peut s'opposer à corriger. Les arrêts de la Cour sont immuables vis-à-vis d'autres institutions. Mais les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immuables vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis de la Cour d'appel, des cours d'appel, vis-à-vis des cours et tribunaux, vis-à-vis de la présidence de la République, vis-à-vis d'autres institutions du pays. Ces arrêts, elle est compétente, donc la loi reconnaît cette compétence à la Cour constitutionnelle. Autant donné que la compétence est d'attribution, et il applique le principe de la théorie de l'acte contraire.
Étant donné que encore la décision de l'incompétence n'était pas une décision au profit de Matata Ampoule, créateur de droit, parce que il y a des, la théorie de l'acte contraire surtout ne peut être appliquée devant en fait, un acte administratif créateur de droit. Par exemple, l'État congolais m'octroie un diplôme d'État, puis l'État après dit non, ce diplôme-là était fraudé, je retire ce diplôme. Ça ne peut pas se faire. Ça, c'est cela que l'administration, l'autorité administrative est limitée. Et alors, la décision de la Cour constitutionnelle n'est créée aucun droit vis-à-vis de Matata Ampoule, encore plus que cela a été basé sur la forme. Et corrige son erreur, revient sur son erreur, on créa toute une jurisprudence de bon sens qui servira le modèle pour toutes les générations futures. La Cour constitutionnelle revient sur son arrêt et c'est ce que moi j'ai traité de l'inconscience à la prise de conscience. Je prends la déclaration du professeur Nyabirungu Mwenesonga Alobi, professeur pénaliste. Il n'appartient pas au juge de combler la loi. Ça, c'est au niveau de la cassation, tant que dans une zone sous ce dossier, la Cour constitutionnelle. Alors lui, il n'appartient pas au juge de combler la loi. S'ils veulent se rattraper, c'est trop tard pour juger le sénateur Matata. Au fait, professeur, vous voulez dire que ce qui vit déjà dans le Beko, c'est-à-dire pour Moutarou-Sambisa, juge pénal, il y a un ancien premier ministre Azate, ce n'est pas le moment. Ce qui veut dire combler vie de mes amis, mais en tout cas, et reconnaître ce qu'on a fait. On l'a bien résolu. Oui, mais en fait, Eza, tout à fait incompréhensif que c'est là de telles déclarations. Bon, je comprends. Il fait ses déclarations en sa qualité d'avocat, parce qu'un avocat est censé, un avocat est censé défendre son client. C'est ce que le professeur Nyabirungu fait, mais lorsque nous nous mettons dans la peau des scientifiques, moi je regrette que un grand professeur comme Nyabirungu soit en train de dire des choses, de telles déclarations, et qui risquent de désorienter ceux qui ont été enseignés par lui comme nous autres. En fait, il est vrai, le juge ne peut pas combler la loi. Ça, c'est des principes. Mais le juge, en sa qualité de juge, peut créer des jurisprudences parce qu'une jurisprudence sert le modèle pour l'application de loi. Alors, le dossier Matata, il déclare qu'il est, trop tard pour juger le sénateur Matata. Mais non, il se trompe. Il serait trop tard si ces actes-là sont prescrits à la loi. Mais évidemment, on ne va pas rétroagir. Hein. Le juge naturel, c'est tel, mais troisième de la soumission, c'est fini, c'est passé. Non, non, qui est nini. La Cour constitutionnelle est là. Ce qui est pour combler vide, c'est un professeur. Mais bon, ce qui n'a pas comblé le vide, la loi, le législateur qui comble le vide. Je ne pense pas que cela est le cas. Parce que la Cour constitutionnelle est là, les actes ne sont pas prescrits. Matata, c'est un délinquant, un présumé délinquant. Il doit alors, dès lors, délinquer devant son juge naturel en sa qualité de l'ancien premier ministre. Donc, son juge naturel, c'est le juge Dieudonné Kamuleta à qui je suis en train de saluer cette prise de conscience. Et parce que, et là, il est entré une fois de plus donner l'exemple dans le combat contre l'impunité. Et vous pensez, est-ce que vous êtes quand même d'accord qu'il y a un vide de ce côté-là, en attendant peut-être jurisprudence ou là, mais la loi n'avait rien dit? Non, il n'y a pas de vide. Nous avions essayé de parler ici. La loi, il ne faut pas créer un vide alors que la loi se complète, la loi a comblé tout le vide que vous voulez, bien évidemment, créé par le besoin de la cause ici. Il y a l'article 165 à point 2 qui dit « ou à l'occasion ». Donc, la Cour constitutionnelle juge l'occasion parce que déjà dans l'occasion, il y a trafic d'influence. Moi, je suppose que, et comme la loi l'a dit, Matata Ampoule, s'il n'était pas premier ministre, il n'aurait pas détourné les fonds de la réalisation. Vous comprenez un peu l'occasion qu'il a facilité ce détournement. Sa qualité de premier ministre. Donc, la Cour constitutionnelle, la loi n'est pas vide, donc la loi est suffisante.
présente. L'acte posé, mais Ezekiel rattaché à la fonction. Mais bien sûr, rattaché à la fonction. Et mais maintenant, c'est en ce moment-là. La loi ne crée pas, il n'y a pas de vide. Et on ne peut pas non plus créer le vide parce que si vous, vous voulez dire que la loi laisse des vides pour sanctionner d'autres délinquants du pays, et donc ce que vous voulez dire, que l'impunité est sacralisée en République démocratique du Congo, il suffit seulement d'être ancien premier ministre, vous n'êtes pas jugé. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a Et quand qu'est-ce dire alors des stipulations de l'article 200, article 27 du statut de Rome qui stipule défaut de pertinence de la qualité officielle. Ici, on ne sommes pas en train de mélanger des notions, mais nous disons que la loi est tellement suffisante, la constitution est claire quant à ça, et donc le juge naturel d'un ancien premier ministre en République démocratique du Congo, c'est la Cour constitutionnel. Eh bien, bien évidemment, pour les infractions commises à l'occasion de l'exercice de ses fonctions comme premier ministre. Et là, ça ne demande pas que le professeur émérite Diédoné Nyabirungu retourne encore au niveau de GD pour apprendre ces choses. Onyemba Laurent a lobby les stupides de construire une jurisprudence momentanément contre X pour qu'elle rattrape notre propre futur dans un état de droit. Si la politique entre par la porte, la justice sort par la fenêtre. Vous pensez que toutes ces analyses... Non, mais vous savez, le collègue Laura, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire pour défendre son maître scientifique, bien évidemment, Diédoné Kalouba. Et en droit, la doctrine, qu'en fait, les analyses sont permises pour tout scientifique. Mais moi, s'il pense que c'est la politique qui entre par la porte, c'est qu'on ne fait pas confiance à nos institutions judiciaires. Et donc, moi, je fais confiance à nos institutions judiciaires. C'est pour cela que je lutte contre l'impunité. Tout en cherchant à corriger quelques erreurs attachées à la corruption, au clientélisme. Mais moi, jusque-là, Gratchouz a fait confiance aux autorités judiciaires de son pays, malgré son combat pour changer le système judiciaire du pays. Et donc, ce que Laura Onemba pense, donc, nous sommes en démocratie, et c'est aussi le respect de la Constitution, l'article 23 de la Constitution qui concerne la liberté d'expression. Il doit exprimer ses opinions, et bien que ce sont des opinions à caractère stérile, qui n'ont rien à voir avec la science juridique. Alors, j'ajoute également cette réaction, il y a Onyemba, Onyemba Laurent, Azana Katia, collectif à l'avocat, il y a Matata Pogno, l'arrivée de la Cour constitutionnelle. Ah, mais non, comme un avocat, il a fait son travail. L'arrivée de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Mapon, Matata, est une forfaiture, un monstre juridique par une chirurgie juridique fissurée de la forme au fond. Vous savez, c'est un monstre juridique, mais si c'est la crée des jurisprudences dans le bon sens, on accepte. Merci Lisa. Il consacre une parentalisation politique de la loi discréditant sa jurisprudence. Cela annonce les chaos électoraux. Est-ce que ça ne sauve pas la politique dans cette affaire Matata? Donc, en fait, la politique, il faut... Bon, on sait qu'il veut dire quoi. Matata n'était pas criminel. Matata est en train d'être poursuivi parce que la politique, il veut sa peau. Non, il faut éviter de politiser tout. Matata a détourné le fonds de l'État et il s'est construit université Mampon au Maniema. Vous comprenez un peu cela? Matata, c'est un délinquant, j'insiste, et il faut éviter de mélanger la politique là, dans les affaires judiciaires. La question de Matata, c'est que je veux dire quoi? Tout ancien premier ministre ou tout dignitaire politique qui commet des crimes que l'on cherche à arrêter, l'on doit toujours croire que c'est la politique qui vient arrêter. On doit éviter ces choses. Nous croyons bien que la politique également cherche à tout moment à influencer la justice. Mais dans la question Matata, c'était une particularité. Moi, j'étais parmi ceux qui ont dénoncé la situation de Matata au nom de l'impunité zéro. Vous pouvez lire sur les archives de la prospérité. Nous avions dénoncé les dossiers, les détournements des dossiers Boukangalonzo. Nous avons alerté sur ça, et donc on ne savait même pas que Matata avait créé son parti politique il y a de cela, quoi, 3 ans. On ne savait même pas que Matata en point va se proclamer candidat président de la République, mais nous avions commencé à alerter. Il faut éviter de croire, de voir la politique dans tout ça parce que l'on veut défendre les défendants. La République démocratique du Congo ne doit pas être basée sur les antivaleurs,
ne doit pas consacrer l'impunité parce que l'on a été Matata, l'on a été Mozinto, l'on a été Joseph Kabila, l'on a été Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo doit être basée sur les droits et sur l'état de droit. Et c'est ça en fait le combat que nous avons hérité de notre grand maître Étienne Tshisekedi wa Mulumba. On a évité de croire que toute affaire de justice, c'est un règlement de compte politique. Sinon, j'exhorte ici à nos compatriotes de faire confiance à la justice congolaise, mais chercher à tout moment, à toute occasion, que cette justice-là s'améliore dans son administration. Alors, retournons dans le droit, si tu peux répondre à la question Oyo. Avant de déprimer sa compétence, la Cour constitutionnelle devrait vérifier sa saisine en répondant à la question de savoir si la Cour de cassation était compétente pour la saisir en interprétation de l'ingratitude des juges évoqués dans la doctrine est une pure fiction. Est-ce que la Cour de la cassation a coquin qui conseille l'interprétation de la Cour constitutionnelle dans la Cour de cassation, oui, en fait, si. Est-ce que il y a un flou, s'il y a un flou, la Cour constitutionnelle est juge de l'inconstitutionnalité. Ça fait partie de ses attributions. Si la Cour constitutionnelle fait un recours de l'inconstitutionnalité, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais parce que c'est à la Cour constitutionnelle d'interpréter la loi et voir sa conformité à la Constitution. Mais la Cour constitutionnelle n'était pas obligée d'examiner sa compétence par rapport à l'inconstitutionnalité. Non. C'est comme vous demandez à un papa qui entre dans sa chambre avec son épouse si ce qu'il est en train de faire là est contre la moralité de ses enfants. Non, les enfants savent que papa et maman passent nuit dans une même chambre. Ça c'est qu'il faut, il faut éviter de croire que la Cour constitutionnelle doit commencer d'abord à examiner sa conformité avant de répondre à un acte au cas où il n'y a pas un recours d'inconstitutionnalité. Ça c'est vraiment. Mais la Cour de cassation est dans son droit de demander une interprétation d'inconstitutionnalité ou de conformité à la loi par rapport à une démarche judiciaire qu'elle sera en train d'entreprendre. Et la Cour constitutionnelle est libre de mener toutes ces démarches sans consulter qui que ce soit parce que c'est elle qui est la juridiction par excellence. Je rappelle ce dispositif, il y a arrêt, dernier arrêt, il y a Cour constitutionnelle, vendredi 18 novembre 2022, la Cour constitutionnelle se déclare compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et des questions de constitutionnalité soulevées. Alors finalement, Cour à lobby, à Kouki, Sambisa, Makambouana, donc la Cour constitutionnelle et donc le juge pénal de l'ancien président de la République ou même premier ministre ancien qui n'est plus en fonction au moment de poursuite. Alors, Mélanie Lafoumoula, en parenthèse, si la Cour se déclare compétente, c'est-à-dire le juge pénal d'un ancien président de la République ou premier ministre qui n'est plus en fonction au moment de poursuite, quel est le sort, il y a sénateur à vie, parce qu'on en a que Moko jusque-là, Joseph Kabila, un ancien président. Est-ce que loi Obasala sur les statuts d'ancien chef d'État et zo créé moi tout finalement il est peut-être à celui qui me croit ici quoi à tout moment en fait Joseph Kabila c'est un prisonnier libre, je l'ai toujours dit, parce qu'il a commis des infractions, des crimes. Un jour il suffit seulement que le PGR Mukolo Konkesha se réveille un bon matin et ouvre en fait une démarche et lance une démarche judiciaire contre Joseph Kabila, déjà qu'il y a plusieurs plaintes, une litanie de plaintes qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle là-bas. Kabila aussi sera arrêté par la Cour constitutionnelle en sa qualité d'ancien président de la République. C'est pas un vide. La loi, on ne peut jamais tolérer qu'il y ait une loi qui consacre à l'impunité. Dans ce sens-là, je vous rappelle que l'article 27, d'ailleurs, du statut de Rome, qui fait partie de nos instruments juridiques du pays, est stupide défaut de pertinence de la qualité officielle. Ce qui veut dire qu'à tout moment, on peut arrêter Joseph Kabila des infractions qu'il a commis, qui viole le statut de Rome également, qui viole le code pénal congolais, et donc à tout moment, il peut être arrêté.
Donc, on retient, en terminant, que la Cour constitutionnelle n'a rien violé en termes de la loi, en revenant sur sa décision à ses députés à violer le droit. La Cour constitutionnelle n'a rien violé, aucune. Ça fait partie de. C'est ça la conclusion de ma tribune. Donc, en conclusion, la Cour constitutionnelle n'a rien violé. Il n'a fait que prendre conscience parce qu'il était un moment inconsciente, en fait, de par la situation qui était en face de lui. Mmh. Et maintenant, cette prise de conscience mérite d'être saluée parce que c'est une prise de conscience qui va finalement chasser l'impunité. Donc, Matata Ponyo sera jugé. Il sera jugé et condamné si les faits portés contre lui s'avèrent fondés. Grâce à Chunza, merci. Je rappelle que Oza, scientifique, avocat, coordonnateur dynamique impunité zéro, te revenir Nayo, ensemble sur le processus de paix. Et il y a Luanda, chef de l'État, et évidemment d'autres chefs d'État aussi. Bazoko Mana, capitale angolaise, Lelo, pour Nakosolola, on est ici, sceptique finalement, le processus pour Nayo. Il faut le langage des armes, il faut la force par rapport à Nayo. Et puis l'affaire Matata, toujours éclairage Nayo, c'était un commentaire. La tribune de Salaki au Sali, la Cour constitutionnelle congolaise de l'inconscience à la prise de conscience. Un dernier mot. Bon, Narosenga, Nabanamboka, Toyeba, Kopesa, Kosa, la confiance, Naba autorité, Yambo, Kanabiso, Toyeba, Kosa, Tolongola, surtout Nangonga, Oyo, le pays est menacé parce que, en fait, la menace qui pèse sur la République et sur son peuple est plus vaste que nos ambitions. Nous devons nous unir comme un seul homme. Tout le monde a l'ambition, ou soit la guerre d'esprit, soit la guerre de leadership, soit la guerre de cannabis. Tout ça, c'est le cas de la moto. Tout le monde a cannabis à travers l'unité. Parce que lorsque celui qui nous combat profite derrière nos divisions, mais une fois qu'on sera unis derrière la situation du pays, parce que ce qui est le but de l'ambition, la stratégie mise en place par les ennemis est que le Congo soit un pays ingouvernable. Ce qui est le but de l'ambition, comme président de la République, comme ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre, premier ministre, député. Mais au coco kako sala mosala na mala muté obimisa ba meilleure qualité na hoté. Pourquoi l'ennemi a installé un système de l'ingouvernance du pays? Tous à la labo moko to repousser ennemi na biso na osenga na mwana mboka Félix Tshisekedi a encouragé FARDC na population na ye o bazana bosenga ba imposer kimia na mboka. Mais ba voyons so diplomatique wana dialogue processus, ça va rien imposer, apporter la paix à l'est du pays. Alors si cela apportera la paix, ne serait-ce qu'une paix précaire, or le peuple congolais a besoin d'une paix durable. Merci d'être venu pour la première fois à la grand forum de Reiki. Le débat reste ouvert. Bato Bazana, point de vue contraire, surtout dans le dossier Matata, Bakoki toujours Koya, Potosola, Nabango, Mike Mukebay, question orale avec un débat contre un ministre provincial, il y a finance, probablement cette semaine et peut-être Lélo, parce que la fois passée, ministre Alwaki Santé est dérangé et Tamoussous. Nous allons encore une fois vérifier l'information, ce qui s'est prévu pour aujourd'hui ou au courant de la semaine, parce que les délais couraient encore. 20h juste, rediffusion, il y a grand forum, il y a le lobby 4 minéraux. Merci et au revoir. La deuxième invitation.